Il paraît qu'on a un pied qui est bien implanté, bien enraciné. Quand la brise peut être fort à un certain côté, il verse à un certain degré, qui vous trouvez qu'il n'est pas cassé. Mais il n'est pas cassé. Quand la brise peut venir depuis une autre direction aussi, il peut tourner, verser de telle façon, il peut être cassé ça. Et n'importe quelle direction, ça la brise là, il peut verser sa pied là à un degré qu'il peut casser, tout peut dire qu'il peut casser. Il dit non, il n'est pas cassé seulement. Parce qu'il est ferme. Il peut dire bout de ferme, là, sa croyance qui l'a amené là. Il dit bien, là, il est comme ça même. Il peut faire face à plusieurs difficultés internes et externes. Mais il reste ferme et jamais il décroisé. Il fait face à une difficulté. Il continue. Il y a du monde pour dire, tu viens accepter ça, tu n'as pas manger, tu peux guetter une bénédiction dans la santé, dans ton... plusieurs bonnes affaires se dire pour décourager ça du monde là. Un jour dire, alors, oh Ahmadi, avance devant. Tiens, ça va une frayer qui est là. Et sans ça va une noirté là en clarté. Et sans ça va une tristesse là en tranquillité. Parce qu'il s'est même fini crier dans ton destin. Alors, vin banda il est là, solide, ferme et costaud. Un jour dire, un davat il est là. Il a une relation bien profonde avec soi là. Dans votre élève là aussi, il a une grande relation profonde avec soi là parce qu'il a un conseil pour travailler. Pour faire ce travail là, il demande une résolution, il demande une détermination, il demande patience. À vous dire aussi longtemps, il paye la patience, au bout de quelques temps, il a arrêté, après de recommencer, il veut dire qu'il n'est pas encore bien déterminé pour faire ce travail là. Azul dit enda ilalla, il est nécessaire qu'il montre un amour sincère et profond dans ce travail-là. S'il peut montrer un intérêt superficiel, mais assuré qu'il ne va pas réussir là-dedans. Mais s'il peut montrer un amour sincère et il peut montrer une fidélité envers Allah et sur lesquels il approfondit pour faire ce travail-là, c'est là qu'il peut réussir. Ensuite, Azul dit pour d'abattre ilallah, besoin et la crainte d'Allah. Dans le travail mondain, man di moun, tu avances en telle façon qu'ils ne participent pas, écoutent même aucune parole. Alors, Hazou dit, quand il peut guetter un petit goutte dans l'époque du saint prophète Mohammed, quand il peut guetter un goutte dans l'époque de Hazrat Masih Maud, il trouvait que man di moun de toute qualité, tout grade, man di moun, toute situation, peu importe qui tu travailles, qui est avocat, qui est professeur, qui est docteur, qui est laboureur, tout tu peux engager dans ce travail-là. Je veux dire, Banda il n'a pas besoin assise avec tranquillité. Pour faire entier le monde rentre dans vraie religion, ce n'est pas un travail simple ça. Ce n'est pas une simple responsabilité ça. Ça, c'est qui Allah fait mettre l'eau nos épaules. Pour ça, nous besoin préparons-nous avec beaucoup de sérieux. Et à part ça, il n'y a aucun semaine même qui sac du monde besoin faire d'avoter la besoin vivre dans sa domaine là, besoin faire ce travail là. Et tant qu'il se efforce par la grâce d'Allah, pas commence rapport de fruit, il pas besoin assise tranquille. Promesse pour faire un Ahmadi par an. Khutba 20 janvier 87. Sak Ahmadi, bizin refaire promesse pour les prochaines des années. Promesse qu'il fait, qu'il bizin faire un Ahmadi pour un Ahmadi, mais un famille Ahmadi pour une famille par an. Sak individu d'un Jama'at bizin participe dans le travail de Dawati Lallah. Azou dit, il y a beaucoup d'amis qui pensaient qu'un certain groupe. Ben du monde peut faire ce travail-là, alhamdulillah, travail-là peut faire. Mais à vrai dire, quelques du monde seulement peut travailler. Je ne suis pas pour capable de cacher ça au moi. Le temps pour faire la tournée, je joue un ben du monde et Allah montre-moi clairement qui ben du monde, qui ben du monde qui là-dedans. Combien peut travailler dans ce domaine-là. Entier Jama'at peut participer dans ce travail-là ou bien quelques ben du monde peut travailler et s'offrir. Entier Jama'at peut profiter.
Dans chaque jamaat, il y en a seulement quelques du monde qui peut travailler. Et ça va là, ce fruit peut présenter le jamaat en entier. Et là, entier jamaat peut faire fier que oui, nous finissons faire ce travail-là. Parmi eux, chacun besoin rentre dans jamaat, dans sa groupe. Je veux dire, parmi eux, chacun besoin engagé dans sa groupe de Dawati Lalala. Et Dawati c'est bonne qualité, je veux dire. Premier, les bisins comprennent qu'il y en a un qui appelle sur Allah, les peut l'oli à toute heure. Les bisins ont sa crainte d'Allah. Les bisins font ce travail-là avec une certaine sincérité. Les bisins régulièrement, il y en a plusieurs bonnes qualités encore qui font dire qu'il y a un d'Allah bisins. Je ne sais pas pourquoi mentionner ces 13 qualités-là, mais en bref, s'il est capable de garder un dosa par semaine, et ça cinq droits qu'un musulman bisain accompli en 22 musulmans, c'est autant possible faire namaz tahajjud. Et la nuit, s'il est capable de rester dans le masjid, essaye autant possible pour faire namaz fajr en congrégation. Il fait d'arras après namaz fajr, et fait sadka régulièrement. Alors plusieurs namaz qui sont, alors tout bonne qualité, c'est ça, il vous donne plus encore pour aider nous dans ce travail-là. Azul dit Dawati Lalla demande qui bisin et n'a beaucoup de patience. Sa récompense là apporte ban qui n'a patience, ban les autres pas gagner ça. Sa cise là ouvert par patience. Fin dire, dans le commencement, pour arriver comme ça même. Pour trouver qui ban du monde, pas peu intéressé, pas peu porte attention, pas envie même tant de n'en. Ou bien créer une certaine façon, créer une certaine amour dans eux, créer une certaine intérêt dans eux. Montrer patience, et plus que patience, montrer persévérance. Azou dit un bandimoun, au commencement, commence à finir découragé. Mais pour bandimoun qui tenir ferme leurs paroles et actions, en résultat de cette patience, vous pour gagner une récompense, et l'air pour arriver, quand vous pour sentir que ça finit vraiment à cause de nos patience qui nous peut trouver ce résultat-là. À cause de nos patience dans l'adversité qui nous peut capable de goûter un fruit qui est réservé pour nous-là. Patience, c'est une grande vertu de courage. Patience trouve dans des places, dans parole et dans action. Une parole qui est là pour dire continuez d'y aller avec patience, avec la douceur. Continuez d'y aller avec une douleur depuis où le cœur. À vous dire, avec référence d'un Dalai de l'Allemagne, à vous dire, une bonne qualité qui chaque Dalai bisain a, ça tient dans lui, dit type cause avec douceur. Toute connaissance, type elle dans vide. Si un démon a un mauvais caractère, il n'est pas capable de servir le monde dans l'ennier. Spécialement ça l'air quand on peut cause avec ban étranger, ça l'air là ou bien encore plus gentil ou bien contrôle ou même et avec courage ou écoute parole ou adversaire et après ou explique-lui avec l'amour et douceur ou répond-lui. Ça y a une qualité principale d'un Dawati Lalla qui si un dimoun en a ça, mais il est capable de combattre ban grand connaisseur. En résultat de patience, pour gagner courage, pour faire droit. Khutba 83 même toujours. Avec patience, ça grand la force qui appelle droit là, ou gagner lui. Alors, Dawati Lalla a une grande relation avec patience. Et patience, c'est sa qualité patience là, qui peut amener nous vers droit, et qui peut amener nous vers sa bande but qui est vraiment haute là, qui finit décrété comme but de l'existence même. Je veux dire, chacun bisin en daïla la pomisote, Khutba 25-83 février, vous pouvez attirer l'attention de tout bon membre du Jamaat, qui se bisin appelle tout bon dimoun du monde vers Allah, l'Éternel, au bon serviteur de Hazrat Muhammad Mustafa, au bon amoureux de la religion de Hazrat Salam. Quitte ce qu'ils ont pu faire à ce là et pense au travail qui fait mettre leurs autres épaules. Parmi eux, chacun est là et chacun est là pour répondre devant Allah. N'importe qui ou profession, n'importe qui travail ou peut faire, dans n'importe qui coin du monde où était.
avec n'importe qui religion qui ou une bonne relation ou première obligation c'est qui appelle le monde vers sa Allah de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam là. C'est-à-dire sans noter en clarté faire revivre spirituellement que Allah Ta'ala fait living comme ça. Khutba du 28 août 87, la façon qu'Allah fait montrer Hazrat Ibrahim alayhi salam Hazour dit faire d'abattre l'Allah dans sa façon là et formation Hazour fin dit chaque missionnaire chaque da'i l'Allah chaque amir sadr responsable tout du monde en général bizin engagé dans ce travail là Hazour définir un Ahmadi il dit un Ahmadi il dit bout l'eau des pieds un ce qu'il fait ban dépenses financières des dépenses dans ce mais Allah Ta'ala. Deuxième, il donne ce le temps pour faire tabligh. Hazour dit, il y en a plusieurs qui m'ont fait telle dépense, tel sacrifice, telle affaire, mais tabligh pour pas qu'à faire. Hazour dit, ben, vous considérez comme un Ahmadi boiteux. Vous pouvez dire, vous avez un seul lipier. Hazour dit, dans n'importe qui domaine où était, pense bien, pour venir sa message aller au travail. Il est là où fait droit avec Allah. Il dit pas au travail qui nécessairement ou bien amène ça du monde là par la force. Là, il crée Hafiddin. Pays n'a la force dans la religion. Mais il nous devoir qui nous parvenir. Si nous ne parvenir à ce devoir là, ce travail là, il est là, nous sommes responsables devant Allah Ta'ala. Et bonne qualité de Dawati Allah encore, avec 2 minutes qui m'ont devant moi, Hazour dit. Aussi longtemps que ce travail-là pas faire, il y a la flamme qui peut continuer à briller dans ce l'équerre. Nous avons besoin, comme je disais, de déchiffrer qui Hazour peut dire. Hazour dit, il y a la flamme qui peut briller dans ce l'équerre aussi longtemps qu'il n'y a pas trop de Jama'at peut engager dans ce travail de tabligh-là. Puisque Allah Ta'ala fait une adresse, Nabi Karim, si tu ne pas venir le message, tu ne peux pas faire de travail. Gaitan dimun kuma nabiy karim sallallahu alaihi wasallam si Allah taala pati créeli pati pou créer le monde Allah il adresse comme ça ben nous encore plus ban serviteur ben serviteur inférieur même je dire qui veut dire nous besoin encore avec plus de doigt patience persévérance faire ce travail là que Allah taala aide moi aide nous tout qui nous capable comprendre ça et dans l'autre extrait que Hazour peut adresser ban madame aussi ban enfants aussi jusqu'à Hazour il dit un extrait qui ban di moun ki malade lou lili pou zoti Allah pou questionner il dit mais comment ça ban di moun malade la ka participe là-dedans il dit bien sûr je ka participer dans ce droit faire droit pour ça ban di moun ki peut faire tabligh là ki Allah taala et zot pou aller de l'avant jazakumullah taala Nuruddin Sheik Joomun, Sadar, branche montagne blanche. Salam alaikum wa rahmatullah. Et c'est un adam qui m'a gagné pour dire là, et puis une écrire pour Hazrat Muslim Mahmoud dans le Talando, qui veut dire tout le calame Mahmoud. Teri mohabbat mein mere pyare har ek musibat uthayenge hum magar na chhore tujhko hargiz
tere dar par se jayenge hum teri mohabbat mein mere pyare har ek musibat uthayenge hum magar na chhodenge tujhko hargiz na tere dar par se jayenge hum teri mohabbat ke jurm mein ha jo peace bhi dale jayenge hum to us ko jaane ge ain rahat na dil कुछ ख्याल लाएंगे हम सुनेंगे हरगिज न गैर की हम न उसके धोखे में आएंगे हम सिक तेरे हजूर में ही सरे अताज झुकाएंगे हम जो कोई ठोकर भी मारेगा तो सह लेंगे हम खुशी से कहेंगे अपनी सजा यही थी जुबान पे शिकवा न लाएंगे हम हमारे हाले खराब पर गो हंसी उन्हें आज आ रही है मगर किसी दिन तमाम दुनिया को साथ अपने रुलाएंगे हम हुआ है सारा जमाना दुश्मन है अपने बेगाने खून के प्यासे जमाना दुश्मन है अपने बेगाने खून के प्यासे जो तूने भी हम से बेरुखी की तो फिर तो बस मर जाएंगे हम
phir to bas mar hi jayenge hum yakeen dilate rahe hain duniya ko teri ulfat ka muddaton se jo aaj tune nakir faqat kisi ko kya dikhayenge hum khuda ne hai khaz re raah banaya hame tareeke muhammadi ka jo bhool bhatke sanam se laakar milayenge hum mita ke kufro zalal wa bidat karenge aasare deen ko taaza ke kufro zalal wa bidat karenge aasa re deen ko taaza khuda ne chaaha to koi din zafar ka parcham udayenge hum khabar bhi hai kuch tujhe o nada ke mard mein chashmayar hai khabar bhi hai kuch tujhe o nada ke mard mein chashmayar hai hum agar hame kaj nazar se dekha tujh pe bijli girayenge hum agar hame kaj nazar se dekha to tujh pe bijli girayenge hum wo seher hai kufr ka markaz hai jis pe deene masih hai nazan wo shahar jo hai kufr ka markaz hai jis دینِ مسیح ہے نازاں خدائے واحد کے نام پر ایک
اب سے میں مسجد بنائیں گے ہم پھر اس کے مینار پر سے دنیا کو حق کی جانب بلا پھر اس کے مینار پر سے دنیا کو حق کی جانب بلائیں گے ہم کلام رب رحیم و بانگ بالا سنائیں گے ہم کلام رب رحیم و رحمان بانگ بالا سنائیں گے ہم تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز نہ تیرے در پر جائیں گے ہم نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم Dans une remarque, ça, ça nous amène à plusieurs bonnes prophéties que les musulmans de la Talano qui fait qu'aujourd'hui nous peut trouver ça. Comment on fait une fermazide dans l'onde, comment on peut crier à Zan, comment on peut appeler tout le monde dans l'onde. On fait ça, ils demandent beaucoup de commentaires. Nous quittons ça là, on appelle Maulana Basharat, Naveed Saheb, Naib, Amir, Jama'at, and Missionary in charge. Les poukos, l'eau, l'exemple qui Allah Ta'ala fait aider l'eau avec ce sifo pour Jama'at Ahmadiyya. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مکرم صدر مجلس اے مکرم مرکزی مہمان دے لے گئے دیسان منور احمد صدیق صاحب مولانا منور احمد صدیق صاحب اے امیر صاحب علماء کرام اے تو میں شیف خیر سیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سی تھری گران پلیزیر
d'adresser quelques exemples de l'aide divine soutenant l'Ahmadiyyat. Tout d'abord, je voulais citer quelques versets qui Allah Ta'ala parle ceux qui ont accepté Allah ses messagers et Allah Ta'ala ses promesses, ce qui Allah mentionne dans le Coran. Et deuxième, d'autres versets, ce qui Allah Ta'ala parle, ceux qui ont suivi le shaitan et quelle est la promesse d'Allah à propos d'eux. Parce que quand Allah Ta'ala crée Adam et Allah Ta'ala lui crée pour qu'il soumette devant Allah Ta'ala, devant son créateur, et à ce moment le shaitan a demandé un répit, mais Allah Ta'ala dit inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittabaka min al-ghawin. En vérité, topena victoire leur mon serviteur à part man égaré. Maintenant, je lis quelques versets coraniques qui Allah Ta'ala a promis, ce qui Allah Ta'ala a envoyé en faveur de. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qatab Allah l'aghlibanna wa rusuli. Inna Allah kaviyun aziz. Wa lakad sabakat kalimatuna li ibadin al-mursaleen. إنهم لمنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد آمين. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Ça, c'est quatre différents versets du Saint-Coran, la traduction, c'est comme suite. Allah finit décréter envers